Une option cachée dans votre smartphone sera vous aider à connecter à Internet même si le mode avion est activé. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas activé les données mobiles et aussi le Wi-Fi. Cependant, je peux accéder à tous les sites web et de regarder des vidéos sur YouTube et etc. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette option. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous une option vous permettant à connecter à Internet même le mode avion est activé. Et avant, si cela est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors, avant de vous montrer comment accéder à tous les sites web, même le mode avion est activé, on regarde ça. Ici, il ne me montre aucune connexion Internet. Mais moi, je peux accéder à tous les sites web. On regarde ça. Alors, pour faire ça, juste aller à téléphone. Ensuite, composer ce code. Étoile, dièse, étoile, dièse, 4, 6, 3, 6, dièse, étoile, dièse, étoile. Puis, soit apparaître avec vous cette page. Si le code ne fonctionne pas chez vous, je vais vous laisser la solution dans la barre de description de cette vidéo. Alors, si votre smartphone prend en charge deux cartes SIM, soit apparaître avec vous deux options de téléphone et une option de Wi-Fi. Par exemple, moi j'utilise une carte SIM sur ce smartphone et j'ai mis la carte SIM dans deuxième place. Donc, je choisirai information sur le téléphone 2. Puis, soit apparaître avec vous, cette page contient des informations sur la carte SIM et d'autres options. Donc, maintenant, activez les données mobiles, puis activez mode avion, comme ça. Maintenant, on va essayer d'accéder à ce site. Donc, comme vous voyez ici, il me montre cette page de ne peut pas accéder à ce site. Maintenant, on retourne à cette page. Donc, activez cette option de alimentation radio mobile comme ça. Puis on retourne à Google Chrome. Maintenant on va actualiser la page. Voilà, ça marche. Vous pouvez maintenant accéder à tous les sites web sans activer Wi-Fi ou les données mobiles. Alors si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre like pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.